Dans cette vidéo, vous allez découvrir un exercice de renforcement des muscles du bassin. Vérifiez au préalable votre aptitude physique auprès d'un médecin. En travaillant ces muscles, vous pourrez corriger ou prévenir les douleurs du dos. Cet exercice permet également de prévenir la descente d'organes et les incontinences urinaires. Pour réaliser cet exercice, vous aurez besoin d'un tapis de sol. Afin de vous allonger sur le tapis en toute sécurité, appliquez les gestes qui suivent. Pour plus d'informations, vous pouvez visualiser la vidéo intitulée « S'allonger avec précaution sur un tapis de sol ». Cet exercice se décompose en deux étapes, le positionnement, puis le mouvement. Premièrement, le positionnement. Allongez-vous sur le dos, jambes pliées, les bras le long du corps, paumes des mains tournées vers le sol. Vos pieds doivent être à plat sur le sol et écartés de la largeur du bassin. Deuxièmement, le mouvement. Lors d'une expiration longue et profonde, poussez sur les talons afin de remonter les fessiers vers le ciel. Ce soulevé de hanche s'effectue progressivement en décollant d'abord les fesses, puis le bas du dos, pour finir par le haut du dos. Tenez la position 10 secondes en maintenant une respiration régulière. Serrez bien les fesses et les abdominaux et assurez-vous de ne pas avoir le dos courbé. Pensez également à contracter le périnée. Il doit y avoir un parfait alignement entre les épaules, le buste, le bassin et les genoux. Puis redescendez doucement en position initiale. Réalisez l'exercice une deuxième fois. Attention, cet exercice peut provoquer des crampes à l'arrière de la cuisse. En cas de douleur à la nuque, évitez de lever les hanches trop hautes. Pour augmenter en intensité, vous pourrez, au fur et à mesure des jours, allonger progressivement le temps de maintien de la position. À vous de jouer !